Parce que c'est la première fois que je me retrouve tout seul. Enfin, j'ai fait deux ou trois plateaux, mais en acoustique, avec une gratte et un violoniste, donc c'était formation réduite. Et là, c'est la première fois que je me produis dans le concept que je voudrais exploiter tout le temps, c'est-à-dire basse, guitare, batterie, une formation vraiment rock, pour montrer un peu le côté pop-rock, qui sera le côté pop-rock, j'espère, de l'album qui sera produit. Donc, la pression de savoir ce que les gens vont penser des nouvelles chansons et aussi de comment elles vont être jouées, quoi. J'aime ça. Projet pour l'avenir, c'est je suis en discussion d'un album avec Universal, avec Pascal Nègre plus particulièrement. Et voilà, le but c'est de pouvoir arriver à faire un album. Parce que là j'ai déjà signé pour une tournée solo, donc c'est vraiment bien parce que je sais quoi faire à la rentrée. Et je sais que je vais pouvoir continuer à travailler. Donc, et je fais pas des plateaux, j'ai vraiment des salles avec mon nom, mes musiciens et mes chansons. Donc voilà, j'essaie de m'imposer en tant qu'artiste vraiment, plus en tant qu'artiste Starac. Et voilà, donc j'espère pouvoir avoir un album très bientôt pour pouvoir continuer à partir sur les routes, parce que sans album, il n'y a rien à promouvoir, donc pas de salle, et j'espère que ça va continuer. Ouais, je vous donne ça. Piquez mes cadeaux, c'est ça? Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des gens qui sont maintenant plus attachés à ce que je fais moi en tant que personne qu'au concept de la Starac. Et voilà, ils sont toujours là, ils vont être une trentaine, quarantaine à être venus, enfin de Belgique, de Lyon, de Paris, il y en a qui viennent de Suisse. Et voilà, ça fait plaisir de voir que les gens me suivent et seront là même pour la suite, quoi.